qu'on appelle les traverses. Et quand tout est attaché, vous avez un coupon de voix. Un coupon de voix. Regardez par terre, c'est fait de coupons de voix. Repérez les coupures de rails. Vous en avez là. Une. Vous en avez une deuxième là-bas. Donc au milieu, c'est un coupon. Ici, vous avez un deuxième coupon. Le principe du coupon, on revient au coupon joué, c'est que tout est fixé, c'est déjà monté et ça se porte à la main. Ça se porte à la main, ça se pose sur le sol et il suffit d'accrocher le deuxième. Voilà. C'est simple, hein? Et comme c'est à la maison, hein, ce serait dommage de le fixer, c'est pas fixé au sol. On peut le démonter et le mettre dedans. L'ego n'a rien inventé. Ça, c'est pareil. Voilà, tout à fait, pour les mines. Et donc, vous avez compris le principe. Hein. Là où il n'y avait pas de route, là où il fallait transporter des choses lourdes, hein, pour sur les usines, pour le transport industriel, on utilisait la voie de poisson. Alors, là, il n'y avait pas de route et on devait transporter du sable dans les carrières. On utilisait de la voie de 60. Et plus connue en Seine-et-Marne, on a utilisé pour le transport des betteraves sucrières. Mais vous avez d'autres activités industrielles de campagne, le transport de la pierre, du ciment, de la brique, de la tuile, des troncs d'arbres, du blé, enfin, bref, les usines qui se faisaient dans les campagnes. D'accord? Et Decauville, il a été mondialement connu à cette époque. Et vous savez pourquoi? Il a participé à un événement que vous connaissez. Il a construit le petit train en voie de 60 pour transporter les Parisiens à l'exposition universelle de l'inauguration de la Tour Eiffel en 1880. Et bien figurez-vous que les wagons de ville dans lesquels vous êtes installés, il a alimenté la turbine qui se trouve derrière et c'est ça qui crée l'électricité pour les roues, pour les faire avancer. Alors pourquoi il est unique au monde, les enfants? Ah non, tu sais, il a été construit en 100 exemplaires. Il y en a eu 100. Et ça a été utilisé pour la guerre, pour aider les soldats français. Et après la guerre, ils ont servi pour le transport du sable à Nemours, dans le coin. Et à la fermeture des sablières, hein, on va vous expliquer parce que tu n'as pas fait la visite, à la fermeture, eh ben, ils ont détruit toutes les machines.